Jérôme Roten appelle le sélectionneur, à l'occurrence ici, Didier Deschamps, de trouver un schéma tactique sans Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé et de Deschamps. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé, on a vu que lorsqu'il n'était pas là, la France a perdu. Est-ce que c'est un hasard ou bien c'est juste anecdotique? Moi, je pense que ça a quand même un lien. Ça a quand même un lien parce que Deschamps n'a pas encore trouvé un système sans Kylian. On l'a vu en Coupe du Monde. Lorsque Deschamps essaie de tourner, ça ne marche pas. Donc, il a son plan A et son plan B ne fonctionne pas. C'est dommage parce que tu peux jouer une compétition, Kylian se blesse. Tu vas gérer ça comment? Tu vas gérer ça comment? C'est pour ça qu'il te faut absolument pallier. Il te faut essayer, même comme on ne peut pas absolument pallier à 100%, mais il te faut essayer de pallier l'absence de Kylian au cas où il se blesse, peut-être. On ne sait jamais. Donc, je pense que Deschamps doit trouver cette formule, une formule sans Kylian, afin de pouvoir être plus complet. Sinon, il risque vraiment d'avoir des surprises si Kylian se blesse dans une compétition. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.